partir du 11 mai, nous rouvrirons progressivement les crèches, les écoles, les collèges et les lycées. Ça y est, enfin, Emmanuel Macron a esquissé les contours de ce que serait un début de déconfinement. Dans cet épisode Factu, nous allons vous lister les scénarios possibles d'un déconfinement selon les spécialistes. Voici ce qu'Emmanuel Macron a évoqué. D'abord, un déconfinement progressif par tranche d'âge. Pour leur protection, nous demanderons aux personnes les plus vulnérables, aux personnes âgées, en situation de handicap sévère, aux personnes atteintes de maladies chroniques, de rester, même après le 11 mai, confinées, tout au moins dans un premier temps. Selon les données de Santé publique France, 90% des personnes décédées avant le 31 mars 2020 avaient plus de 65 ans. Tous ceux plus jeunes, donc, ne présentant pas de comorbidité, c'est-à-dire des fragilités qui pourraient s'aggraver des suites à une infection au Covid-19, seraient les premiers à être libérés et ainsi continuer à faire circuler le virus en limitant le nombre de morts. C'est encore l'inconnu, la durée de protection que vous confère le fait d'avoir été infecté. Est-ce que ça sera quelques semaines, 3 mois, 6 mois, 9 mois, plus ? Eh bien ça, malheureusement, on ne peut pas encore le savoir aujourd'hui. Une des conditions étudiées par les autorités pour déconfiner et qui fait évidemment beaucoup parler, c'est ce qu'on appelle le tracking ou le traçage géolocalisé. Pour accompagner cette phase, plusieurs innovations font l'objet de travaux avec certains de nos partenaires européens, comme une application numérique dédiée qui, sur la base du volontariat et de l'anonymat, permettra de savoir si oui ou non l'on s'est trouvé en contact avec une personne. Une condition essentielle pour déconfiner, c'est pouvoir suivre les malades et faire en sorte que ces derniers n'entrent pas en contact avec le reste de la population. Un pays souvent pris en exemple, c'est la Corée du Sud. La Corée du Sud a mis en place un système de géolocalisation pour tous ses citoyens. Cela a permis, en plus des tests de la population à grande échelle, de contenir l'épidémie dans le pays. Le problème en France, c'est qu'utiliser ce type de géolocalisation pour tous les citoyens, c'est interdit. Alors le gouvernement travaille actuellement à l'élaboration d'une application qui coche toutes les cases de la législation. Il a déjà d'ailleurs un nom, Stop Covid. Ce sera basé sur un strict volontariat. Il n'y aurait pas non plus de géolocalisation, c'est-à-dire que les données de mobilité des personnes ne seraient pas traquées. Beaucoup de conditions donc, comme vous pouvez le voir, et ça pose forcément la question de l'efficacité d'une telle application non contraignante. L'application singapourienne, exactement sur ces aspects-là, pas volontariat, Bluetooth, pas de géolocalisation. Vendredi dernier, donc au 3 avril, il n'y avait que 1 million de personnes sur les 6 millions à peu près qui avaient téléchargé l'application, à tel point que Singapour a décidé le confinement de la population le vendredi 3 avril. Donc cette application n'a pas été suffisante pour empêcher le confinement. Et si une telle application voit le jour, il faudra évidemment la coordonner au niveau européen pour pouvoir tracer les personnes qui passent les frontières et qui peuvent potentiellement être infectées. Alors mettre en place une telle application, c'est bien, mais sans tester massivement, en fait, ça ne sert pas à grand chose, puisque le but du jeu, c'est de pouvoir savoir qui est malade et de pouvoir retracer son parcours. Le 11 mai, nous serons en capacité de tester toute personne présentant des symptômes. Nous n'allons pas tester toutes les Françaises et tous les Français, ça n'aurait aucun sens. Mais toute personne ayant un symptôme doit pouvoir être testée. Les personnes ayant le virus pourront ainsi être mises en quarantaine, prises en charge et suivies par un médecin. Mais une nouvelle fois, si on s'en fie aux chiffres annoncés prochains des tests disponibles, la France n'aura pas les moyens de tester tout le monde, il faudra donc viser juste. L'une des conditions indispensables selon le conseil scientifique pour entamer un déconfinement, c'est du gel hydroalcoolique et surtout des masques pour l'ensemble de la population, ce qui aujourd'hui évidemment n'est pas le cas. D'ici 3 semaines, nous aurons, imaginez-le, multiplié par 5 la production de masques pour nos soignants en France. Alors toutes ces options sont encore évidemment théoriques. Il est évidemment possible que le déconfinement se fasse avec plusieurs de ces mesures combinées. Car d'autres outils qui ne sont pas encore à notre disposition aujourd'hui pourraient aider et faciliter un déconfinement. Comme un traitement efficace contre le Covid-19, ou encore espérer un caractère saisonnier du virus qui disparaîtrait ou en tout cas qui s'atténuerait avec l'arrivée de la chaleur de l'été. Je le sais, beaucoup de débats dans le pays. Toutes les options sont explorées. Et notre pays est celui qui a engagé le plus d'essais cliniques en Europe. J'ai tenu moi-même à comprendre chacune des options possibles, à m'assurer que tout était essayé
dans les meilleurs délais et avec rigueur. Il ne s'agit pas de donner un traitement si on n'est pas sûr, mais de procéder à tous les essais cliniques pour que toutes les pistes soient poursuivies. Et croyez-le, nos médecins, nos chercheurs travaillent d'arrache-pied. Aucune piste n'est négligée. Aucune piste ne sera négligée. Je m'y engage. Au moment de commencer le déconfinement, en fait, le gouvernement va devoir la jouer très fine et on pourrait résumer son action à un numéro de funambule. C'est une étape délicate, hein, évidemment, pour le gouvernement, parce qu'il ne faut pas que ça aille trop vite, mais il faut quand même que ça se fasse progressivement. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'il faut que le virus recircule un petit peu pour que la population s'immunise. Alors, il ne faut pas que ça aille trop vite pour ne pas engorger les services de réanimation, évidemment, mais il ne faut pas non plus l'empêcher complètement, parce que sinon, eh bien, au moment du déconfinement, il y a un risque de rebond, cette fameuse deuxième vague que l'on craint.